et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Elle vient à nous ce soir, elle vient à nous aujourd'hui, elle vient à nous en ce dimanche, nous dit la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Elle court vers nous et elle nous sourit. C'est la grâce de Dieu qui vient à nous. C'est l'amour de Dieu qui se rend proche et elle nous demande de lui faire bon accueil. Alors ensemble, nous préparons nos cœurs, préparons nos âmes qui ont soif de cette sagesse, qui ont soif du salut, qui ont soif de l'unique nécessaire, qui ont soif de cette vie qui est la vie de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps,
nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis. Tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Acclamons la parole de Dieu. La sagesse dépendra de ce que nous voyons comme perspective à notre vie.
Il est sûr que la sagesse bouddhiste ne sera pas la même que la sagesse chrétienne. Ça n'est pas la même chose que de croire qu'il y a, après la vie ou au-dessus de nous, qu'un grand tout dans lequel nous allons nous diluer. Et donc la sagesse consistera surtout, pour un bouddhiste, à ne pas trop souffrir et à s'affranchir de cette personnalité qui m'empêche d'entrer dans ce grand tout. La sagesse chrétienne est tout autre. La sagesse chrétienne, elle est entièrement orientée, aimantée par l'espérance qui est la nôtre, celle de la vie éternelle. Au fond, la sagesse dépend beaucoup de la manière dont nous voyons la mort. Nous conduisons notre vie en fonction de notre vision de la mort. Alors il est très important aujourd'hui que nous parlions de la mort, que nous parlions du sujet le plus tabou de notre société, et malheureusement le sujet qui est resté très souvent tabou depuis des années et des années dans la prédication chrétienne. On hésite à parler de la mort, on hésite à parler de la vie éternelle, on hésite à parler des fins dernières. Même lors des obsèques, on va parler surtout de la vie de la personne que nous pleurons, en faisant parfois son éloge, alors que nous devrions surtout, comme la deuxième lecture d'aujourd'hui, qui n'a pas été celle qui a été lue malheureusement, mais vous pourrez corriger vous-même, « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance sur ce qu'est la mort et sur ce qui nous attend après. Sinon, nous ne pourrons pas être sages, nous ne pourrons pas conduire notre vie conformément au but qui est notre, à savoir entrer dans la vie éternelle. » Alors je voudrais vous proposer comme maîtresse de sagesse, puisqu'elle a été proposée comme docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 1997, si ma mémoire ne me trahit pas, Thérèse de Lisieux. Peut-être que vous connaissez cette belle photo de Thérèse sur son lit de mort. Elle est étendue, elle est entourée de fleurs, elle est habillée de blanc, comme une épouse parée pour son époux. Et son visage est empreint de paix, de douceur, beaucoup plus que sur certaines photos de son vivant où on voit les marques de sa souffrance et de sa maladie. Thérèse a dit deux choses définitives que je vous propose comme jalon pour notre méditation sur la mort. On lui posait un jour d'abord la question « Ma sœur, de quoi mourrez-vous ?» Réponse de Thérèse « Eh bien, je mourrai de mort. » On savait qu'elle était atteinte de la tuberculose, on savait qu'elle était atteinte de toutes sortes de maladies. Est-ce que vous mourrez de la tuberculose ? Non, je mourrai de mort. Cette parole qui paraît un peu une vérité de la palisse ou une pirouette, en réalité est une très grande sagesse et une grande vérité. Est-ce que nous mourrons du Covid ? Est-ce que nous mourrons du cancer ? Est-ce que nous mourrons d'accident ? Non, nous mourrons de mort. Parce que nous sommes mortels, chers amis. Et c'est même la seule chose qui est sûre, la seule chose que nous partageons avec tous les autres hommes qui ne partagent pas forcément l'espérance de la résurrection, c'est la certitude de la mort. Et nous devons d'abord avoir ce réalisme. La mort est là. La mort, nous ne devons pas la confondre avec les circonstances qui l'accompagnent. Oui, nous mourrons de mort, et puis cette mort s'accompagnera de telle ou telle circonstance que nous voudrions effectivement éviter, à savoir la maladie, l'accident, ou peut-être tout simplement la mort naturelle. Dire que nous mourrons de mort, ça veut dire que la mort est beaucoup plus que ce que nous en disons, c'est un mystère. J'ai reçu l'autre jour un faire-part, nous pleurons telle personne qui est morte à 90 ans du Covid. Non, cette personne à 90 ans n'est pas morte du Covid, elle est morte de sa mort. Et il se trouve qu'elle avait le Covid, peut-être d'autres choses, qu'elle avait d'autres faiblesses. Mais ne le laissons pas abuser. Cette personne est morte parce que elle devait mourir à un moment ou à un autre, chers amis. C'est pas très gai de le dire. Ça paraît un peu fataliste, mais c'est la réalité. Première chose, Thérèse nous dit, je mourrai de mort, et toute ma vie est une préparation à ce moment. Deuxième phrase de Thérèse de Lisieux, sans laquelle la première serait désespérante. Elle répond un peu, un jour, elle parle de la mort, elle dit « Je ne meurs pas, j'entrerai dans la vie, j'entre dans la vie. » Alors ça peut paraître contradictoire avec la première phrase, en réalité c'est celle qui l'éclaire. « Je ne meurs pas de mort, seulement je meurs d'un trop-plein de vie qui m'appelle. J'entre dans la vie avec un grand V,
Je meurs à la vie avec un petit V, je meurs à cette vie biologique, psychique, matérielle, et j'entre dans la vie pour laquelle je suis fait. Je ne meurs pas simplement de mort, je meurs d'un trop-plein de vie qui vient faire exploser les limites de ma petite vie mortelle. Chers amis, c'est la grande espérance qui est la nôtre. C'est très étonnant que les chrétiens, très souvent, se comportent devant la mort, alors qu'ils vivent une vie chrétienne très authentique habituellement, tout d'un coup comme des païens, comme s'il n'y avait pas cette espérance, comme si on devait redouter de parler de la vie après la mort, comme si on devait redouter d'entourer ceux qui se préparent à la mort en leur disant clairement « Est-ce que tu as vu un prêtre? Est-ce que tu as pu te préparer? Est-ce que tu as pu faire la paix avec ceux qui t'entourent? Est-ce que tu as pu faire la paix avec Dieu? Est-ce que tu as pu faire de ta vie une éternelle offrande à la gloire de Dieu pour être prêt à sauver, je vais lâcher un gros mot, ton âme? » Parce que, chers amis, notre vie n'est pas seulement la vie de notre peau. Nous n'avons pas seulement à sauver notre peau, à maintenir notre santé. Nous avons à sauver notre âme. C'est notre âme qui aspire à voir Dieu. C'est notre âme qui aspire à la vie éternelle. C'est notre âme qui, séparée de son corps, ira contempler le visage souriant du Père, ou alors se perdra dans la damnation éternelle, c'est-à-dire repliée sur elle-même, repliée sur son moi dans lequel elle s'est enfermée. Chers amis, notre vie est faite pour sauver notre âme. Notre vie est faite pour préparer la vie éternelle. Et ça doit être la grande orientation, la grande lumière qui éclaire toute autre chose. C'est saint Ignace de Loyola qui, dans ses méditations, vous savez, ceux qui ont fait les exercices de saint Ignace, dès la première semaine, on contemple le mystère de la mort. Ça va assez loin d'ailleurs. On doit s'imaginer mort. Il y a un petit exercice où on se couche sur le sol et puis on imagine des gens qui parlent de nous après notre mort. C'est gay, vous voyez? Et puis on essaye de voir ce qui reste. Qu'est-ce qui restera? Fou es-tu, toi qui as voulu amasser des biens pendant ta vie? Au soir de ta vie, tout sera perdu, c'est ton âme qu'on réclamera. C'est ton âme qui sera pesée. Est-ce que ton âme est pleine de l'amour de Dieu? Chers amis, il est si bon de méditer sur la mort dans la perspective de la vie éternelle, dans la perspective de l'unique nécessaire. Il est si nécessaire d'avoir cette sagesse, de mettre notre vie en perspective, parce que tout trouve sa place. Et le même saint Ignace nous dit que l'homme a été créé pour louer, pour adorer son Dieu, et ainsi sauver son âme. Et tout le reste est ordonné à cela. Tout le reste est ordonné à cette unique nécessaire, à cette finalité absolue, sauver mon âme. Alors comment sauver mon âme? Qu'est-ce qui fait vivre mon âme? Qu'est-ce qui est la vie de mon âme? C'est la grande question que nous devons nous poser. La vie de mon âme, c'est deux choses, chers amis. Que vive mon âme à te louer, nous le chantons parfois. Mon âme vit de la contemplation de Dieu. Mon âme vit, elle est vivante lorsqu'elle est en relation avec Dieu. Mon âme vit quand elle vit cette condition filiale avec Dieu. Mon âme vit lorsqu'elle n'est pas repliée sur elle-même. Mon âme vit de louer Dieu et de bénir mes frères. Mon âme vit de l'amour. C'est dire que dans la Bible, être vivant, ça n'est pas être vivant biologiquement, c'est être en relation. Être en relation avec Dieu et avec mes frères. Nous parlons de la vie avec un grand V, et non pas de la survie. Chacun dans son coin qui serre les dents et qui essaye de sauver sa peau et qui se coupe de la vraie vie. Pensez à l'épisode si connu de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui dit à son père « Donne-moi la part d'héritage. » Et puis il dilapide tout son bien. Demander l'héritage à son père, c'est anticiper le jour de sa mort. Ça veut dire « Je vais faire comme si tu n'existais plus, comme si tu étais mort. » Et lorsque, après son errance, il revient dans la maison du père, le père ne dit pas « J'ai retrouvé mon fils ». Non, il dit « Mon fils, qui était mort, est revenu à la vie ». C'est-à-dire que la véritable vie, c'est d'être en relation avec notre père et avec nos frères. Donc nous ne pouvons pas envisager une vie qui ne soit qu'une survie, les uns à côté des autres, dans un petit monde virtuel et confiné, chers amis. C'est une vraie question. La période est difficile, frères et sœurs. La période est difficile parce qu'on nous propose comme ultime objectif de sauver notre peau des impératifs sanitaires que je n'ai pas à discuter, mais ils ne peuvent pas. C'est ma responsabilité de prêtre qui
dois vous montrer l'unique nécessaire, le ciel. L'unique nécessaire n'est pas d'abord de sauver notre vie, notre survie. L'unique nécessaire est de sauver notre âme. Alors bien sûr que nous ne méprisons pas la vie. Mais nous l'orientons, elle est orientée vers cette vie en plénitude que Dieu nous promet. Alors vous l'avez compris, moi j'avoue que je suis très préoccupé depuis quelques mois, je le disais à mes paroissiens récemment, ça fait 4 mois que je n'ai pas célébré d'obsèques chrétiennes dans cette église. Ça veut dire qu'il y a des compagnies de pompes funèbres qui considèrent qu'il ne faut pas que les gens soient présentés à l'église pour préparer leur âme. Ça veut dire que pour des impératifs soi-disant sanitaires, alors que l'église respecte tout scrupuleusement, on peut contourner cela. Ça veut dire qu'on peut se passer de la prière de l'église pour cette étape la plus importante. Je suis préoccupé, frères et sœurs aussi, de voir les gens s'isoler de plus en plus parce que la peur règne, la peur de la maladie règne. Ça n'est pas à moi d'apprécier la vérité de tout ce qui nous est dit en matière sanitaire. Mais ce que je peux voir, c'est qu'il y a une vie qui s'atrophie, qui se coupe de l'unique nécessaire, à savoir se tourner vers Dieu et vers ses frères concrètement. Frères et sœurs, il faut que nous ayons à nouveau la messe publique autorisée. Nous avons besoin de louer Dieu. Comment considérer dans le catéchisme de l'Église catholique ce premier commandement qui est « Tu adoreras Dieu et tu honoreras le jour du Seigneur ». La messe du dimanche et la messe des solennités est une obligation pour les chrétiens. C'est un minimum. Et nous parlons de sacrement parce que nous sommes dans l'économie de l'incarnation et Dieu nous communique la vie par un contact vivant avec lui et avec la communauté. Je me souviens de cet aumônier qui disait quand j'étais enfant, un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien qui prétend prier tout seul dans son coin et qui se coupe de la communauté. Et c'est vrai qu'on peut louer le fait que sur YouTube on peut se réunir d'une manière ou d'une autre. Mes chers amis, on ne peut pas faire de télétravail dans le domaine de la vie de l'âme, dans la vie des sacrements. Nous avons besoin de ce contact vivant avec le Seigneur et avec nos frères, ça s'appelle la communion eucharistique, qui est à la fois la communion avec Jésus, qui s'est fait chair pour se donner en nourriture à nos âmes et à nos corps, et ce contact vivant et cette communion avec la communauté des chrétiens. Alors je vous invite, chers frères, à vraiment prier et faire comprendre et essayer de faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas que ça n'est pas un luxe, la prière en église, ça n'est pas un luxe, la messe. C'est notre nécessaire, c'est un bien essentiel, puisqu'il faut discerner les biens essentiels. La sagesse chrétienne nous conduit à dire que l'unique nécessaire, si nous devions tout perdre, il y a une chose que nous devrions garder. C'est l'espérance de la vie éternelle qui nous est donnée et à laquelle nous pouvons véritablement nous accrocher dans les sacrements, dans la vie de l'Église et dans l'Eucharistie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin qu'ils puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur du ciel. Donne-nous de veiller dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Nous te supplions de nous donner enfin libre accès à la messe et à la prière publique de l'Église. Sans ta présence vivante en nos assemblées, nous ne pouvons vivre. Nous t'en prions, Seigneur.
aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Gloria tua.
assez de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.